Mais attention, il y a Tyler Parra qui va vite, il y a Freire, il y a Van Avermaet, il y a également parmi les autres sprinters Loïc de Mondori qui aurait été l'une des belles révélations françaises avec une place de 6e, de 8e et deux places de 10e. Il a bien envie d'être à nouveau parmi les meilleurs sur les Champs-Élysées. Entrer dans le top 10, ça représente évidemment quelque chose, le corps de l'équipe H2R, la mondiale.